Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. On est bien installés, Pierre Ménès et moi. On est ravis vraiment de vous faire vivre cette rencontre qui s'annonce passionnante. Le Barça face aux Reds de Liverpool. On espère qu'on... Et bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Griezmann. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Centre peut-être dans l'axe. Messi. Messi. Ah oui, il fallait aller là. À chercher celle-ci. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Ce match devrait être intéressant avec deux joueurs qui vont plus particulièrement attirer le regard. Avec deux, tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste à un grand match, Hervé. Ouais, il a le temps de centrer. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Dembélé. Le ballon qui est sorti, la remise en jeu sera pour les Blaugrana. Léo Messi, balle au pied. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Là, le drapeau s'est levé. Mohamed Salah signalé hors jeu. Antoine Griezmann. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué. Mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Pignage d'homme. Le ballon perdu, c'était Fabinho. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Ousmane Dembélé. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, c'est pas fini, attention. Et l'ouverture du score. Ah, on a senti un petit peu venir quand même. Hein. Ouais, leur domination a fini par payer. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, le ballon perdu sur cette passe d'Alcantara. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Wijnaldum. Il est dépossédé du ballon par Sergio Busquets, à la régulière. Ousmane Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouh, il était temps là, il était temps. Ah ouais, il est passé, joli geste. Techniquement, c'est fort. Il y va tout seul. Paul qui égalise.
L'égalisation pour les Reds. Et ils égalisent donc un but partout. Firmino, toujours balle au pied. Bonne intervention là de Piqué pour récupérer ce ballon. Antoine Griezmann. Ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. Thiago Alcantara. Ouais, bien donné ce ballon. Le drapeau s'est levé. Mohamed Salah signalé hors jeu. Messi. Antoine Griezmann. Ça, c'est un ballon perdu par Antoine Griezmann. Thiago Alcantara. De nouveau Thiago Alcantara. On cherche un partenaire démarqué. Ça part vers le premier poteau. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Il avait vu venir. Fabinho qui redonne à Thiago Alcantara. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Wijnaldum. Encore Firmino. Ça n'ira pas plus loin. Un coup franc pour le FC Barcelone. Sergio Busquets. De Jong. Griezmann. Cherche un partenaire en profondeur. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Et Mets qui perd le ballon. Ousmane Dembélé. Messi. Attention à cette action. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Ouais, coup franc pour Liverpool. Fabinho. Roberto Firmino. Wijnaldum. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Wijnaldum. Ouais, ça c'est bien joué. Oh, il l'a mis dans le vent là. Roberto Firmino. La parade du gardien. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais il reste Messi. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de la seconde période. Le premier ballon est pour Liverpool. Alexander Arnold, Joe Gomez, pour Virgil, Fabinho, et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Thiago Alcantara. Il se présente face au gardien. Le but de Liverpool.
Lionel Messi. Con el 5, Wijnaldum. Frankie de Jong. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Léo Messi. Ouais, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Liverpool qui perd le ballon. Il récupère le ballon dans sa surface. Il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Allez, dans le couloir. Wijnaldum. Il s'est ouvert le chemin du but. Et le but pour Liverpool. Le but pour les Reds. Qui compte maintenant deux buts d'avance. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Ouais, le ballon perdu sur cette passe d'Alcantara. Messi. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ah, elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Et le ballon qui change de camp. Messi, Antoine Griezmann, Frankie de Jong. Oh, il était temps d'intervenir là. Fabinho. Et encore une bonne passe. Fabinho. Thiago Alcantara. Alexander Arnold. Le Barça qui va repartir avec la touche. Thiago Alcantara. Ballon donné sur l'aile. Salah est encore présent sur cette intervention. Griezmann. Allez, continue Thiago Alcantara. Le Barça va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il se balade littéralement dans la défense. On n'a pas du grand Léo Messi aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Je le trouve assez décevant dans ce match. Il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici. C'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse. Maintenant, attention, hein, parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui pour revenir au score. Il ne faudrait pas complètement passer au travers. Il n'y a pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Perdu un petit peu bêtement par Sadio Mané. Il a tout le couloir devant lui. Et ce sera un corner. Ouais, les supporters qui chantent, qui veulent montrer qu'ils sont là également. Ils savent que les joueurs sont en train de donner le max, hein, sur la pelouse. Pjanic. De Jong. Pjanic.
Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Bonne interception de Clément Langlais qui reprend ce ballon. Pjanic. Oh, le gros exploit personnel. Attention. Adversaire qui presse, hein, qui a raison. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Très joli tacle que l'on revoit au ralenti. Ah oui, il y a beaucoup de fermeté pour venir couper cette action. Anderson. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Wijnaldum. Perdu par le Barça. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Allez, le but de l'espoir peut-être. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on joue les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Bah, miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs en la seconde période. Attention, ne pas se relâcher. Ouais, attention, là, quand même, pour les Reds, ils n'ont qu'un but d'avance. On ne peut pas dire qu'ils aient tout réussi dans ce match. Et ils ne doivent donner aucun signe de fébrilité. Wijnaldum. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Ce corner qui peut être l'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Le ballon perdu, c'était Fabinho. Attaquant qui décroche pour participer au jeu. Il y a un coup à jouer là pour Barcelone. Et voilà la fin du match et donc les 3 points pour l'équipe. Forever.